Foura, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et d'ailleurs, comment t'es parvenu à entrer? Franchement, Foura, je risque de me créer tant d'ennuis, Foura. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien venant de toi. Et alors? Si j'attendais quelque chose de toi, je serais venue ici il y a longtemps. Harry, si cette lettre te parvient, sache que je suis vraiment désolée. Mais je n'avais pas d'autre choix. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus et je dois avouer que je me sentais coupable. Je savais bien que ton rêve a toujours été de devenir ingénieur agronome. Mais vu que je tenais beaucoup à toi, je ne pouvais pas te laisser partir sans garder une part de toi. Tu n'as jamais nié cette grossesse, mais tu n'avais pas de moyens suffisants pour l'assumer. Aujourd'hui, je suis incapable de prendre soin de lui, vu que mon frère héritier a vendu tous les champs de famille pour aller s'installer en ville. Et moi, je n'avais pas d'autre boulot. Voilà pourquoi j'étais obligée de laisser ton enfant chez toi au village. J'espère seulement que tu prendras soin de lui. Je suis vraiment désolée. Henri, ça va? Ça va. Tu vas comme ça avec ta mallette? Ah, j'ai vraiment du mal à te l'expliquer. Mais je t'en parlerai plus dès que je rentre. Tu voyages? Non, c'est pas du tout un voyage. Ce n'est rien de grave. Ben, tu sauras à mon retour. Mais je veux juste que tu couvres mon absence pendant ces quelques jours. Ok, sans problème. On va voir ce qu'on peut faire. Ça va. D'accord. Bon, en route. Merci. D'accord. Oh, frère, salut. Ça va. Ça va un peu, chez toi? Ça va, et pourquoi un peu? Mais je pense que c'est pour ça que tu es venu. Donc tu ne savais pas que papa est en train de vendre tous les champs pour aller s'installer en ville? Ah bon? Et d'ailleurs, il est en train de discuter avec un autre acheteur. Je vais donc le suivre. Je pense non. Il va arriver tout à l'heure là. Et d'ailleurs, il est là. Celui-là, je vous écoute. Papa, tu penses toujours avoir le droit de vendre les biens de la famille sans même nous avertir? Avertir toi en tant que qui? Mais papa, quel héritage que tu comptes laisser à tes enfants si tu vends tous ces champs? Et tu comptes aller faire quoi en ville? Je ne peux pas naître au village et mourir au village, non. Tu sais, papa, l'enfant peut jouer au tambour et les grandes personnes danseront. Sache que toutes ces terres que tu possèdes constituent une immense richesse. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, les études, les soins médicaux, la nourriture, c'est grâce à ces champs, papa. Et d'ailleurs, si je suis parti faire l'agronomie, c'est pour que je rentre exploiter nos propres terres. Et si tu les vends, qu'est-ce que moi je vais devenir? Ce sont mes biens, j'en fais ce que je veux. Papa, arrête. Okay? Faut pas être orgueilleux jusqu'à ce point. T'as aussi hérité ces champs de ton père. Et si tu vas t'installer en ville, avec quels moyens tu comptes en sortir?
D'accord, je comprends. Henri, est-ce que tu sais au moins qu'il faudra déjà amener ta fille ici? Alors, je vais te la montrer. Ça va.